Antoine Dumoulin, chauffeur de l'exploitation de l'ETA Gernet et chauffeur de la 780. On a choisi la classe car il n'y a que elle qui est bonne en grosse machine, donc en qualité de grain, rendement en chantier et éparpillage des pailles et du paille. En chenille, il y a un meilleur suivi de terrain, un confort de chauffeur et la suspension de la chenille qui est super. Un beau progrès avec les trappes des rotors, qui a une corbeille de rotor en plus, donc moins de pertes au rotor. Le GPS, c'est un GPS classe S3, est suffisant pour faucher, mais pas pour épandre ou autre chose, quoi. Coupe vario renforcée par boîtier, ça c'est super. On casse plus les boulons de boîtier, l'entraînement se fait régulier, puis on mettait que des courroies. Un nouveau levier d'avancement chez Klaus, plus confortable que l'autre, la main est plus reposée et plus de facilité d'accès au niveau des doigts par rapport au bouton. Débit de chantier donc en céréales, je suis entre 5,20 hectares et 5,30 hectares réels. Et en maïs en 12 rangs, je suis à 4,50 hectares, 4,60 hectares. Bon, après, on pourrait rouler plus vite, mais il faut que les veines suivent. Un excellent nettoyage du radiateur avec leur nouveau système et du filtre à air. Ça, on n'est plus du tout embêté. Le radiateur et le filtre à air, c'est de le souffler pour dire de le souffler. Sinon, on fait la campagne à l'aise. Le pont, s'il y a un très gros progrès aussi, c'est le pont arrière pousse plus que les sodales d'avant, qu'une 770 d'avant. Un très beau progrès fait au pont arrière. Avec leur système de pompe boîtier, tout ça, il n'y a plus de roue folle. Avant, avec les anciens ponts, dès qu'il y avait une roue qui patinait, terminé, on n'avait plus de traction. Les deux roues là, il n'y a plus de roue de folle, la traction se fait bien. Par contre, le moteur n'est pas assez puissant. Turbo qui a été fait au bout de la deuxième campagne. Il manque un peu de surface de grille pour nettoyer. On est beaucoup plus limité aux grilles qu'au rotor. Fragilité du broyeur. Toujours aussi fragile en maïs, en céréales, il n'y a aucun problème, mais c'est en maïs. Et puis il manque de surface aux grilles. Il y a eu quelques problèmes de capteurs. Les premières saillies avec les problèmes d'isolement au niveau des pipes d'échappement, tout ça s'est résolu. Il y a eu quelques soucis électroniques, mais ce qui est normal pour les débuts de machine. Quoi. À l'année, elle fait à peu près 1000 hectares de céréales et elle fait 1200, 1300 suivant les années de maïs. Ça varie beaucoup. C'est une très bonne machine, mais reste compliquée au niveau du courroie et le nombre de courroies et roulements comparé aux autres machines. Donc ouais, dans l'ensemble de la machine, c'est une très bonne machine, fiable. On est satisfait de son boulot et puis voilà, une très bonne bécane.